Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un oracle qui s'appelle La réponse est simple de Sonia Choquette. Et je remercie chaleureusement la personne qui m'a prêté son oracle pour que je puisse vous faire cette vidéo. L'oracle est dans cette jolie boîte, très colorée. Il y a un petit livret et puis une carte de présentation de l'auteur. Le format. C'est un format classique. Les cartes sont d'excellente qualité, elles sont légèrement souples, plutôt épaisses et puis légèrement glossies. Les tranches sont dorées. Elles se mélangent très bien. Hop là. Et puis elles s'étalent très bien également. Elles sont très agréables. Alors, c'est un oracle avec beaucoup de cartes, puisqu'il y en a 62, ce qui est quand même assez rare pour un oracle. L'oracle est très très coloré également, je trouve que c'est très agréable. Il a un côté un peu naïf, un peu enfantin. C'est un oracle qu'on peut utiliser de façon intuitive. On comprend immédiatement la signification. Il y a également une reliance à quelque chose de plus grand que nous, alors que l'auteur appelle Dieu, toutefois sans aucune connotation religieuse. Et puis j'aime bien, il y a de l'humour aussi. Voilà pour les illustrations. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Likez, partagez également. Lâchez un petit pouce, comme dirait, je sais pas, les jeunes, les plus jeunes en tout cas. En tout cas, ces illustrations, en tout cas, sont tout à fait délicieuses, j'ai envie de dire. Elles sont pleines de joie, d'enthousiasme et à la fois donc de simplicité, comme le nom d'ailleurs de l'oracle, hein. La réponse est simple, effectivement. Alors, on a une table des matières, une introduction avec une proposition de. Enfin, deux propositions de tirage à une carte et à trois cartes. Et enfin, la signification évidemment de chaque carte. Et à la fin, à propos de l'auteur, qui est donc conteuse, guérisseuse, vibrationnelle et enseignante spirituelle des six sens. Voilà, et qui est donc sollicité internationalement pour ses conseils, sa sagesse et sa capacité de guérir l'âme. Pour moi, c'est une découverte, cet oracle.
mais j'aime beaucoup. Vraiment, c'est une belle découverte. Alors, le thème de l'oracle, c'est de travailler avec l'ego, de rééquilibrer, d'harmoniser notre ego. Et c'est en, oui, en, c'est en, en ça que je trouve l'oracle est, que l'oracle est très intéressant. Donc, oui, vraiment une belle découverte. Et encore merci à la personne qui me l'a prêté. Parce que je n'aurais pas pensé du tout à cet oracle spontanément, on va dire. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce jeu si vous le souhaitez. Likez, donc partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez une consultation, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!